Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé ensemble sur YouTube. J'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai fait beaucoup d'achats ces dernières semaines et derniers mois. Il y a beaucoup de choses à vous montrer. On y va. On va d'abord commencer avec la boîte du Happy Meal Fort Boyard de 1999. En excellent état. Elle est vraiment très très belle. Elle est même pas abîmée. Franchement, l'état est impeccable. Et j'ai payé ça 6 euros sur le bon coin. Mais avec la boîte, j'ai aussi acheté les jouets. Et les jouets, ils sont sous blister. Il y a Jabba le pirate. Le fort, il suffit de mettre une clé dans une des fenêtres et la vigie s'allumer en jaune. Le labyrinthe. Et enfin, la fontaine à bonbons. Ils sont vraiment en bon état et en plus ils sont même pas ouverts. Ça c'est cool, franchement c'est très cool. Ça je les avais payés 13 euros également sur le bon coin. Ensuite, on continue avec Fort Boyard. J'ai aussi acheté sur eBay il y a quelques mois la boîte de la Magic Box Fort Boyard de Quick de 1997. Une boîte aussi en excellent état. Je vous laisse constater par vous-même. Recto, verso. Si vous souhaitez voir la boîte en détail, rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Et cette boîte, je l'avais payée. Parce que je ne sais plus les prix, j'ai tellement acheté de choses. 6 euros. On continue avec Emmaüs. J'ai acheté Emmaüs, le jeu de société Fort Boyard DVD Interactive. De quelle année ça ? 2008. Alors cette version je la possédais déjà, mais il me manquait la règle du jeu. Celui-ci est complet, il a la règle du jeu, je vais vous montrer son contenu. La règle du jeu. Le DVD. Franchement l'état il est impeccable. Et le reste de la boîte. Franchement, le jeu est impeccable. À part qu'elle est un petit peu arrachée ici parce qu'ici avait le prix. Mais sinon, ça va. C'est plutôt convenable pour l'état. Et ça, je l'avais payé 1 euro. Je l'avais acheté à 1 euro. On continue avec Fort Boyard. J'ai acheté sur le bon coin la salle des coffres de Fort Boyard 2009 de chez McDonald's sous blister, mais celui-ci n'a pas de notice, c'est vraiment dommage. Enfin, après, peut-être qu'en 2009 il n'y a pas de notice, je m'en souviens plus exactement. Mais franchement, en bon état. Et pas ouvert, franchement, ça c'est cool. Et ça, je l'ai payé 3 euros. Je vais vérifier. Oui, 3 euros. Maintenant, on change d'univers, j'ai acheté sur le bon coin le coffret Titanic. La boîte a quelques déchirures, mais franchement, l'état est plutôt... ça va, quoi. Je vais montrer son contenu. Ça se présente comme si avec la cassette. L'étiquette, on voit que c'est ancien, mais elle n'est pas arrachée. Ensuite, des petits flyers. Et quelques... Et quelques illustrations du film. La belle rose. C'est vraiment des photos très très belles. Et aussi en très très bon état. On va ranger ça pour pas abîmer.
Hop. Voilà. Et puis il y a aussi une belle illustration du bateau ici. Ça. Voilà. Et ce coffret, je l'ai acheté 10 euros. On continue à changer d'univers. Maintenant, on part avec Pokémon. J'ai acheté un booster 5 Flix et Pix. Emballé. C'est un booster qui date de 2005. C'est un Tops. Franchement, je le possédais pas, je suis content de le posséder. Et ça, je l'ai payé 5 euros sur eBay. On continue avec eBay. J'ai acheté le CD 3 titres Un Monde Pokémon. Sous blister. Il date de 2000. Il y a 3 titres dessus. Il y a Un Monde Pokémon, Les Vacances de Pikachu et Les Vacances de Pikachu Instrumental. Et sachant que je l'ai payé 3 euros, je crois. Mais 3 euros. J'ai aussi acheté au marchand de journaux aussi. J'ai acheté 6 boosters Pokémon épée et bouclier. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une ouverture sur la chaîne. Ça, je l'avais pour un bon prix, je crois. J'avais payé ça. 30 euros au marchand de journaux parce qu'ils avaient fait une erreur. Ensuite, on passe à un autre univers. J'ai acheté à Carrefour le DVD 2019 Le Monde des Enfoirés. Oui, il y a encore le prix. J'ai payé 24,99€. Il n'est pas ouvert, je ne l'ai pas encore regardé. Seul, je ne le possédais pas, je vais rajouter ma collection. J'ai acheté le dernier DVD et CD des Enfoirés, le Paris des Enfoirés 2020. Et enfin, le DVD. Content de les avoir mis en question parce que celui-là, je ne les avais pas. Je suis content. Ensuite, on continue. J'essaie de faire quand je les ai achetés. Non. Ok. On continue à changer d'univers. J'ai acheté Envie de Grenier l'album édition collector Energy Music Awards 2008 avec un DVD. Les 3 CD sont dans un excellent état. Le DVD aussi, je vais vous montrer. Le CD 1 n'a aucun pet. Le DVD non plus. Et le CD 2 également. Pour 1 euro, franchement, c'est un très très bon prix. J'ai aussi acheté sur eBay un lot de cartes Pokémon à... Je crois que c'est des cartes allemandes ou anglaises, je sais plus. Il s'agit des cartes Tops. Que je sais plus comment j'avais payé ces cartes-là. Je trouve que je les ai pas notées ces cartes-là. Je les ai pas vues. Ah non, je les ai pas notés. Je les ai pas notés, bah du coup, bah, je sais plus combien je les ai payés. Bon, c'est pas grave. Il y a à l'intérieur plusieurs cartes. Il y a Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Embryante, Reptincelle, Dracaufeu, Carapuce, Carabaf, Tortank, Chenipan, Crisacier Brillant, Papillusion, Roucoule, Roucoups, Roucarnage, Ratata, Pikachu,
Raichu, Sablero, Nidoran, Nidorina, Nidoqueen, Rapace d'Épic, Piafabec, Ratatak, Nidorino, Nidoking, Goupix Brillant, Fenard, Rondoudou, Gros Doudou, Nosferalti, Nosferalto, Nidoran Femelle, Misterbe, Mimitos, Aéromite, Topiqueur, Psychoquack, Aquaquack, Ferrosinge, Colossinge, Caninos, Arcanin, Titar, Tétart, Tartare, Alakazam, Machoke, Machopper, Tentacool, Tentacruel, Racaillou, Gravalanche, Magnéti, Magnéton, Canartichot, Coquillas, Crustabri, Fantominus, Spectrum, Voltorb, Kikli, Léviator, Porygon, Kabutops, Mew Brillant, Dracolos Brillant, Terra Brillant, Articodin Brillant, Elector Brillant, et enfin on finit avec Draco Brillant. En fait il s'agit des cartes anglaises et en fait je les avais payées 10 euros. Je m'en suis rappelé, j'ai payé ça 10 euros. En tout il y a... Il y a 73 cartes et j'ai payé ça 10 euros. La personne qui me l'a envoyé m'a aussi offert cette petite pochette avec des tartes. Franchement, un grand merci à lui. La série n'est pas complète, mais les cartes sont en très très bon état et en plus il y a des rares. Sur eBay, j'ai gagné une enchère, j'ai gagné deux tickets Interville 98. Un pour l'émission Monde Marsan Cahors du vendredi 14 août 1998. Et enfin, le deuxième, c'est le ticket de la finale d'Interville Mont-de-Marsan, le vendredi 28 août 1998. C'était sur TF1. Montrer les tickets un peu mieux, parce que je les ai conseillés pour ne pas les abîmer. Derrière, c'est pas trop intéressant, c'est une pub. Et enfin, le deuxième... Deuxième, c'est une pub derrière aussi. Je range ça plus tard. Et enfin, on va terminer avec le dernier achat de cette vidéo. Il s'agit du télémagazine poche numéro 1584 du 22 juin au 28 juin 1996 avec l'illustration de Sandrine Dominguez et Patrice Lapon pour la 7e saison de Fort Boyard. À l'intérieur de ce magazine, il y a 4 pages consacrées à Fort Boyard. Si vous souhaitez lire, faites pause. Pareil pour celle-ci. De très belles pages, de très belles photos. Je vais vous montrer aussi un peu comment c'était les télémagazines poche en 1996.
Voilà comment ça se présentait en 1996, avec la page programme de Fort Boyard le samedi 22 juin à 20h50 sur France 2. Avec l'ancien logo, juste ici. Alors, j'ai acheté ce magazine pour la collection Fort Boyard, mais pas que, parce que je démarre une nouvelle collection de magazines télé. Donc ce premier est le premier rejet de ma collection, mais il y en a beaucoup d'autres que j'ai retrouvés dans mes affaires et le lien sera dans la description de cette vidéo et vous retrouvez toutes mes collections attitrées sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Mais je suis content d'ajouter parce qu'il est en très très bon état. Et pour le prix 5,86€ que j'ai payé sur eBay, franchement je suis très content. Je vais en recevoir d'autres et dès que je les recevrai, vous les verrez sur mon Instagram et sur mon blog. Avec le télémagazine poche, j'ai acheté aussi un article de presse de la 7ème saison de Fort Boyard 1996. Qui détaillait toutes les nouveautés de cette 7ème saison de Fort Boyard. Avec les nouvelles épreuves, les nouveautés. Il y a deux pages. Ça va être daté 7 jours. Dès que je retrouverai ce magazine, je vous le montrerai en meilleur. Je vous le montrerai mieux sur mon Instagram et sur les réseaux sociaux. Maintenant, ces photos, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. Et vous attendent. Ben voilà les amis, la vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. À me suivre sur les réseaux sociaux. À vous abonner au mag. Et à me suivre sur mon blog. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !